Salut tout le monde, c'est Darkmoon et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bien spéciale vu que nous allons vous présenter à peu près la suite de l'armure du balafré, hein, donc les armes du balafré qui sont autres que ces deux épées. Donc pour cela il vous faut map s'il te plaît, voilà, il vous faut aller dans les tertres de Garner. Je sais pas comment ça se dit, très franchement, je sais pas comment ça se dit, je commence très mal cette connerie. Donc la clé se trouve au coffre de l'armure, enfin des bottes, par ici, donc du beau point bleu. Donc vous entrez dans les tertres, il y a des méchants qui vous attendent dehors, mais bon, rien de bien dur. Après, vous minez, il y a des trucs à miner. Ce qui peut vous aider, c'est une lettre qui est posée sur le garde. Ah. Et donc après, vous minez les deux, hein, si vous avez envie, moi je l'ai eu au deuxième. Pas plus mal non plus, mais bon, pour aller plus vite vous pouvez miner celui qui est à droite et donc après vous atterrissez sur la pièce remplie d'or, de l'or. Donc je vais vous montrer ça tout de suite pour la suite de la vidéo. Allez hop, j'active ton tas d'or. Voilà, donc on va looter maintenant, tout bien comme il faut. Putain, donc voilà, comment être riche d'armure de verre. Attention, cette mission, cette affaire, pour être riche. Donc, attends, je vais vous l'indiquer sur la map, parce que si vous voulez pas l'armure, vous voulez pas vous faire chier avec l'armure. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Comment on fait? Elle, voilà, elle. C'est ici, c'est juste devant le village des Cassos. Vous pénétrez, il faudra juste tout crocheter au lieu de vous faire chier. De toute façon, en même temps, la clé... Très franchement les mecs, la clé, elle est ici, elle est par là, vous voyez. Donc trouvez la clé, puis faites-vous pas trop chier. Et sinon ça a été un plaisir de tourner avec vous. Enfin, plaisir, j'ai pas fini. Bon, on va arrêter de dépouiller cet endroit, hein, je reviendrai tout à l'heure. Bon, je vais faire une ellipse. Ellipse. Bon bah voilà les amis, j'ai tout pillé. Donc on va ranger notre main, enfin non en fait. Hop, le dernier tas. Par contre, que tu fermes les portes comme ça, je suis pas bien d'accord. Donc, hop, on remet un petit coup. Hop. Et what the... C'est quoi ce bordel? C'est quoi? Attends. C'est le capitaine Crochet. Acnir le balafré, farine douce. Ok. Par contre, s'il te plaît. Ah, la sangle, la crampe, je sais pas comment ça se dit. Donc, c'est l'arme, pas de l'arme du mec en fait, je pense. L'arme du... Par contre, s'ils cherchent en tenue, ça va être dur les mecs, vous trouvez pas? Oh putain, le bordel là-dedans. Voilà, hop. Alors, utiliser avec Animortis, je sais pas ce que c'est Animortis. Absorbe 15 points de vigueur. Non, de santé, je sais pas lire, c'est bien. Et affaiblit parfois la mort de l'ennemi. Bon, c'est pas complètement fou. What? Quoi? C'est moi où il y a eu un tremblement de terre. Bon, on va vite se barrer de là. Venez à bout de venir le barrage. Ah, carrément, tu viens et tu veux me tuer. T'as pas l'air bien intelligent. Hein. Hop, voilà, hop. Bon, ça a été plutôt rapide. Équipez-vous pour cette mission. Putain, terrifiant. Terrifiant, il y a des trucs qui me sautent à la gueule. Ah, ok. D'accord, bon ben... d'accord. Donc voici les deux CP que je pense que je ferai, ça sera pas la même vidéo. Oh, je suis trop lourd, je suis un porc, ok. Donc je vous ai fait un tuto pour les armures et pour les épées. Donc j'espère que ça vous aura plu. Hein. Donc si vous n'avez pas vu le tuto pour l'armure, je vous invite grandement. Par contre, t'es
regardé. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo.